Beauté, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une nouveauté que m'a fait parvenir le site Sublime. Donc merci à Dounia et Alexiane de leur participation à ma chaîne, et je sais que elles apprécient ce que je fais, donc je les remercie d'autant plus de me faire confiance. Moi aussi je vous aime d'amour, ça vous le savez. Donc passons aux choses concrètes. J'ai testé ça. Alors ça, c'est un low shampoo. Donc comme vous le savez, en ce moment je teste des routines un petit peu low shampoo, pas bio, mais certaines choses sont sans sulfate, sans phosphate, sans parabènes, sans méthylisothiazolinone, sans silicone, sans tout ça. Par contre, celui-ci contient de l'alcool, des silicones, malheureusement, et du phénoxyéthanol. Donc pour celles qui n'ont pas, moi personnellement je m'en fiche, parce que c'est que sur les cheveux, ça se rince. Donc du coup voilà, les silicones, ça permet quand même de les galber un minimum. Et voilà ce que j'ai eu comme effet avec cette petite chose merveilleuse. Voilà. Comment te dire, j'ai jamais eu un volume pareil. Enfin si, à la racine je suis un peu raplapla, parce que forcément... voilà, j'ai été à la chasse aussi. Donc voilà, j'ai lavé mes cheveux avant d'aller à la chasse. J'ai fait une tresse et donc je suis revenue, j'ai détressé mes cheveux et ça a donné ça, quoi. C'est volume, c'est magnifique. Ils sont galbés, ils sont gainés, ils sont brillants, ils sont doux, ils sont... Ouais, j'adore. Donc voilà, pour le coup, ça fait un peu... ma stock, j'ai pas l'habitude de ça, j'ai plutôt les cheveux fins qui regressent vite et voilà. Et là, ça fait combien de jours? On est mardi, j'ai lavé mes cheveux samedi soir et la racine n'est pas grasse. Hurrah, je suis trop contente. En gros, j'ai un volume de ouf, donc ça, c'est peut-être la tresse aussi qui fait ça, mais dans tous les cas, il reste propre. Voilà, ça fait un mois maintenant que je le teste. Il me permet quand même de pas utiliser de shampoing sec. Comme vous le savez, je nettoie mes cheveux qu'une fois par semaine. Et là, j'ai pas besoin de shampoing sec. Il me tient vraiment des racines à peu près propres entre 4 et 5 jours. Donc ça va encore. Mais j'évite quand même d'en mettre vraiment à la racine. Parce qu'on sait très bien que les silicones, voilà, ça a tendance à gainer le cheveu et justement à le faire travailler un peu plus, quoi, au niveau de le stresser un petit peu plus. Donc voilà. Tout ça pour dire que ce produit est sans sulfate, qu'il est... alors, il ne le mentionne pas sur le packaging, mais il donne du volume, ça c'est clair. Il est ultra délicat avec les cheveux, démêlage facile, anti-casse, nutrition et fluidité infinie. Alors, anti-casse, je ne sais pas, j'ai pas tenté l'expérience assez longtemps. Nutrition, oui, parce que franchement, pour avoir cet effet-là sur mes cheveux, il est nourri, malgré le fait qu'il y ait des silicones, donc ça peut être surfait et pas forcément les nourrir en profondeur comme on pourrait le rencontrer avec un soin sans silicone, mais qui nourrit le cheveu en profondeur. Après, démêlage facile, oui, effectivement, puisque ça s'est démêlé très très facilement et j'ai pu faire une tresse sans pour autant, vous voyez, quand on fait des tresses, en général, on s'en mêle un peu les cheveux. Non, là, pas du tout. C'est pour les cheveux secs et fragilisés et je les sens vraiment doux et pas secs, pas vraiment secs, hein. Donc je suis bien contente, parce que honnêtement, des cheveux comme ça, la dernière fois c'était avec le baume avant shampoing de chez Bumble and Bumble, que je vous recommande aussi énormément. Mais là vraiment, ça fait 2-3 semaines que j'utilise pas le masque avant shampoing pour voir justement à quel point ce produit peut les nourrir. Donc j'en suis satisfaite, mais j'avoue que je le rachèterai pas forcément, puisqu'il y a quand même des silicones à l'intérieur et que je préfère Absolulis qui lui... ou alors Naturea de chez Leclerc, qui eux sont formulés spécialement sans silicone. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Il est très très bien et format est très économique, puisque je l'ai utilisé déjà 3 à 4 fois et qu'il en est ici, donc à hauteur de 10 à 15 pompes par shampoing. En effet, je prends déjà 6 pompes. En gros, je fais 6 et 6. Je prends 6 pompes dans ma main, j'étale bien entre mes doigts, je réchauffe la matière et je viens masser au cuir chevelu comme ça. Et en fait, une fois que tout est bien émulsionné avec un petit peu d'eau, voilà, j'émulsionne un petit peu avec de l'eau, je reprends 6 pompes, je refais la même, mais sur les pointes, enfin sur les longueurs et les pointes, et je recommence, je relève le tout
Ah ouais, là, ça fait beau, hein. Je relève le tout et j'émulsionne avec le crâne. Voilà, tout simplement. Donc, c'est hyper facile d'emploi. Étant donné qu'il n'y a pas de sulfate, c'est étonnant au début puisqu'on n'a pas l'effet moussant. Mais en même temps, c'est une crème assez onctueuse pour qu'on ressente quand même les effets du shampoing, on va dire. Et ce qui est bien avec cette formulation, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de soins après. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, moi, ça me saoule de faire le shampoing avec sulfate, on va dire, et remettre une crème donc, qui est sans sulfate, puisqu'elle ne mousse pas, par-dessus pour faire mon soin, en fait, après shampoing. Alors que là, non, du coup, il fait les deux, et ça, c'est plutôt économique, puisque après, on a quand même les cheveux doux qui se démêlent, qui cassent plus, et qui sont quand même un minimum entretenus, sans pour autant avoir l'après-shampoing derrière. Donc voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'espère que ça aura aidé certaines à faire leur choix. Et en parlant de choix, je vous propose encore, et je remercie encore le site Sublime et Alexiane et Dounia de faire tout ça pour nous, je vous propose de le tester. Donc comme d'habitude, vous aurez un lien en barre d'informations pour recevoir ce produit, pour tenter de gagner ce produit, pour pouvoir le tester vous et venir m'en parler, me dire ce que vous en avez pensé. Donc pour la crème expert 35+, c'est une Belge qui a gagné. Donc je l'ai contactée par email. Le tirage au sort du mascara, je vais le faire d'ici très peu de temps. Donc surveillez bien votre boîte email, puisque du coup je contacte maintenant les gagnantes via email. Donc voilà, donc je suis très contente que ce soit une Belge qui ait gagné. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ce concours est ouvert à l'international. Pour toutes celles qui me suivent, il n'y a pas de souci. Celle qui gagnera m'enverra son adresse, pardon, ses coordonnées complètes, pour que Alexiane et Dounia puissent lui envoyer son lot. Donc le lien vous permet d'aller sur une plateforme qui vous permet d'accéder à une multi-entrée. C'est-à-dire que dès lors que vous... Alors la condition sine qua non, bien sûr, c'est d'être majeur ou avoir l'accord parental, mais ça, je vois pas le problème. Et d'être abonné à ma chaîne, bien entendu. En effet, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, il n'y a pas de raison que je vous fasse gagner vous, alors qu'il y a des filles qui me suivent depuis 20 ans. Non, depuis bien 2 ans, depuis le début de ma chaîne, et c'est vrai que je préférais faire gagner ces filles-là. Donc bref, c'est un lien où vous pouvez participer de multiples façons, et ça vous donne une chance supplémentaire à chaque fois de gagner. Donc c'est-à-dire que vous êtes abonné à ma chaîne, forcément vous allez renseigner votre chaîne YouTube, enfin, votre compte Gmail pour pouvoir participer. Mais ensuite, il suffit de me suivre sur Facebook, vous avez une chance supplémentaire. Me regarder ma vidéo, vous allez avoir une chance supplémentaire. De me suivre sur Twitter, vous allez avoir une chance supplémentaire. De me suivre sur Instagram, vous allez encore avoir une chance supplémentaire. Enfin bref, voilà, je vous ai mis des chances supplémentaires et notamment une chance par jour. Gratuitement en fait, enfin gratuitement, c'est-à-dire que il vous suffit de cliquer une fois par jour sur le lien du concours, on va dire, et d'appuyer à l'endroit où il faut tous les jours pour avoir une chance supplémentaire tous les jours. C'est-à-dire que s'il est ouvert 15 jours, vous avez 15 chances de gagner. Enfin, je ne sais pas si c'est trop clair ce que je vous explique, mais j'ai vraiment voulu récompenser en fait les filles très fidèles qui me partagent tout le temps les liens de mes vidéos sur Twitter. Ça, je les en remercie énormément. Enfin voilà quoi, il y a énormément de monde que je lis régulièrement en commentaire, etc. Je vous aime de trop, vous le savez. Et donc c'est pour ça que je veux vous faire plaisir. J'espère que je vous ai pas parlé trop longtemps, que ça vous a pas trop saoulé. Donc je vous souhaite bonne chance. Je pense que le concours sera ouvert pendant 15 jours ou 3 semaines, ça dépend. Et puis de toute façon, ce sera noté dans la barre du lien concours. Et puis voilà quoi, j'ai pas plus à vous dire à part ça. J'en ai donc terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous plaît vraiment de voir des concours régulièrement sur ma chaîne. Et sans Sublime, je pourrais pas le faire parce qu'honnêtement, j'ai pas un copec. D'ailleurs, les hauls, tout ce que vous allez voir à l'avenir, c'est tout ce que j'ai acheté il y a un moment, à part les coffrets de Noël de Too Faced qui m'ont été offerts. Et donc voilà quoi, enfin, qui m'ont été offerts.
Je vous expliquerai plus avant dans une autre vidéo, mais en fait, en gros, c'est iGraal, c'est ma cagnotte iGraal qui m'a permis de me faire mes cadeaux de Noël. J'ai pas envie de pleurer là maintenant tout de suite, parce que voilà, ma vie est difficile en ce moment. Je vous ferai une vidéo, certainement, lamentation, d'ici très peu de temps, pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe, parce que je vous en ai déjà fait une en vous précisant que j'avais pas internet, que j'avais bougé, que tout ça, mais il y a eu du nouveau et c'est encore moins gai. Donc, à part me tirer une balle à l'heure actuelle, je peux pas parce qu'il y a mon fils, mais franchement, c'est dur, c'est dur. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous. N'oubliez pas quand même que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!